pour cette année au GIANA. Le vendredi pour les scolaires, on a fait un atelier sur les pigments et l'art pariétal. Et pour le week-end, le samedi dimanche, pour le grand public, on a fait un jeu de cette famille. Et pour cette année, on a eu l'idée de faire découvrir les civilisations du monde à travers un jeu des sept familles sur trois périodes chronologiques, moins 12 000, moins 3 000 et 1000. Alors le but, c'est de rassembler les familles archéologiques, enfin les cultures. Donc ici, pour l'an 1000, on a la culture du Ghana. On a la civilisation Wari. On a la Nouvelle-Zélande. Et le Moyen-Âge français et européen. Il y a 6 critères qui remplacent les membres de la famille. Ils sont là. On a l'art et la parure, les pratiques funéraires, les technologies, l'environnement, l'habitat et les moyens de subsistance. À la suite de ça, une fois les 4 familles faites, on leur explique les 4 cultures, les points de convergence et de divergence, et aussi on les interroge sur leurs connaissances. Bon, quand tu regardes, quand tu penses que les Sakas qui mangeaient des phoques, ils croient qu'ils vivent. Ouais, voilà. Regarde. Hop. Là, on avait les Sakas, les Minoans, les Rouges, les Sumériens en Mésopotamie, et puis les Tapenkengs.